Bon matin la gang, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 8h15. Parce que moi j'ai de l'avance sur mon cadran. Puis ils sont en train de faire des travaux dans la rue à côté de chez nous. Je sais pas si vous pouvez voir. Non, vous n'allez pas voir. Peut-être. Peut-être que là, vous allez le voir dans le rétroviseur. On est travaux en arrière. Dans la rue des Écoliers, là. On peut voir un petit peu ici. Puis là, ils ont mis une pancarte, là. Mais checkez la pancarte, là, où est-ce qu'ils l'ont mis pour la rue Barrée. L'espace qu'on a pour passer à côté. On a un petit peu d'espace. Là, quand je leur ai posé la question, ils m'ont répondu tellement bête. Oh, mais là, vous êtes capable de passer, madame? Mais oui, mon cul. Mon cul qu'on est capable de passer. Désolée de mon expression faciale aujourd'hui. Je sais pas que je suis en crise, là, mais ça passe juste. En plus, quand on jusqu'en septembre pour faire des études. Il y en a une qui ne voulait pas partir à moi. Ils font des travaux partout, partout, partout dans la ville de Québec. C'est fou comment il y a des travaux. Fait que là, je m'en vais à une certaine place pour porter la madame. Puis après ça, je m'en vais chez Dollarama faire des petites commissions. J'ai une tapette à fleur de peau aujourd'hui. Je sais pas si je t'avais dormi règle. Hey, je connais une personne que... Ça fait 3 mois qu'elle a eu son retour de règle, puis elle allait son enfant à tous les jours et plusieurs fois par jour même. Puis elle a eu son retour de règle. Moi, j'ai pas eu mon retour de règle. J'ai eu les lochies au début quand j'ai accouché en novembre, décembre. Mais depuis décembre, depuis que je tire mon lait, j'ai aucunement mes règles. Mes règles sont pas revenues. Je sais pas s'il y a un problème avec mon corps ou. Mon cycle est bien déréglé, puis vu que je tire mon lait encore, puis je tire quasiment plus, là. Il y a même des journées que je passe sans tirer mon lait, puis j'ai pas plus mon retour de règle. Sûrement, il y a de quoi de débalancer dans mon système. Je sais que ça fait ça à une autre personne que je connais. Puis c'est sûr, je pense être la gang. Sinon, j'aurais la bédaine, puis je commencerais à le sentir si ça fait depuis décembre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Juillet, j'aurais 6 mois. Je serais pas sur le bord d'accoucher, mais presque. Puis je sens rien dans moi. Là, faut que j'aille. Quand je disais, faut que j'aille acheter une tapette à mouche, mais c'est pas une tapette à mouche, c'est une spatule. Comment on appelle ça? Un ramasse-crotte, là. Une patente pour ramasser les crottes. Ouais. C'est ça que je dois aller m'acheter au Dolo. Parce que je sais qu'il y en a. La mienne a pété la dernière fois que j'ai fait la litière. Puis là, je vais dû faire la litière du chat. Fait que. C'est ça. Là, je vais juste m'aller au Dolo. Pour la maison, là, sur. Là-bas, là. Puis là, aujourd'hui, je m'étais inscrite à un pique-nique en famille avec Raphaël. Sauf que c'est de 1h, de 11h à 1h. Mon chum finit de travailler à midi de piqueter, parce qu'il fait du piquetage des grèves à côté de l'Enfant Jésus. Ah oui, puis vous entendez plus de bruit hein, dans la voiture. Mais c'était moi la nouille. C'était moi la nouille qui m'ennuie de nouille de chez nouille. C'est que le bric-à-bras était ouvert. Il y a une certaine personne dont je dirais le nom qui a joué dans la voiture. Elle est haut comme 3 pommes, façon de parler. Elle aime bien ça jouer dans la voiture, fait qu'elle aime ça bien ça toucher sur les pitons. On dirait qu'elle se croit encore au musée des petits, hein? Le petit monde des grands. On dirait qu'elle se croit encore là puis qu'elle peut toucher sur tous les pitons.
faire exprès. Elle a levé le break à bas. Puis c'est ça qui sonnait, mon chum s'en est rendu compte hier quand j'allais le chercher. Il me trouvait pas intelligent. Il disait que je devais le savoir pis tout. Mais oui, j'ai passé mon permis de conduire, ça fait des lustres. Depuis mes 16 ans, depuis mes 18 ans, j'ai passé mes permis de conduire, ça fait plus de 20 ans. Ça fait plus de 25 ans même que j'ai passé mes permis de conduire. Fait que excusez-moi si je me souviens pas de tous les codes par cœur, les codes de la voiture par cœur. Puis j'ai pas le livre à côté de moi non plus dans la voiture pour lire, savoir les codes, c'est quoi. Je connais la plupart des codes quand même là, dans la voiture, mais celui-là c'était la première fois que je le voyais. Fait que, excusez-moi, pardon si je le sais pas par cœur. Dans la voiture, mais non. Fait que c'est ça. Hier, je vous ai tourné la vidéo pour les tests alimentaires. Ben, je sais plus quoi dire aujourd'hui. Ça paraît qu'on est vendredi, hein? Je sais plus quoi dire. Puis je vous ai toujours pas monté le restant de mon épicerie. En fait, il n'y a pas grand chose à vous montrer le restant. C'est les peignants dans l'armoire. Un brocoli. Non, ça, je voulais montrer. À tes souhaits. Je viens d'aller déposer Amélia à la garderie. Ça a encore été la crise de matin. Mais là, elle va finir par se réhabituer à la garderie. Elle a tellement manqué de journée à la garderie que c'est pour ça qu'elle fait les crises. C'est ça. Fait que là, je m'en vais au Dollarama, comme je vous ai dit tantôt. Puis, pour déjeuner, je me suis apporté des raisins que je me suis achetés hier. Des raisins, puis... On va aller au... Ah, j'ai oublié de donner ce manque. Accumuler des photos dans le passé. Des travaux partout. Là, j'ai fait du boudin
avec des haricots du jardin. Des haricots jaunes qu'on avait, que j'ai cueillis. Que j'avais et que j'ai cueillis hier. Il y a encore du pinard. Je pense que le pinard, il va se manger en temps de thé. Coucou la gang, j'espère que vous allez bien. Il est présentement 9h. Je me dis qu'il était 9h37, les quarts tantôt. Je pense que le temps passe tellement vite que je vois pas le temps passer. Je sors du Dollarama. Puis je retourne à la maison. J'avais envie d'arrêter chez IW, me chercher un coffee, mais je vais me le faire à The House. Je vais me le faire encore. Là, ben, il a commencé à pleuvoir, fait que. Je pense que la. Maman, j'ai plus parlé aujourd'hui. Je suis down. I feel down today. On dirait que je feel down. Je sais pas. Ça devait être à cause de la température. Il pleut depuis lundi. Mardi. Lundi soir. En tout cas, c'est humide, dégueu. Puis c'est maussade comme température. Fait que. Mais j'ai pas trouvé ce que je voulais avoir chez Dollarama, mais j'ai trouvé autre chose. Vous allez rire de moi, là. Je suis sûre que vous allez rire de moi. Je vais sûrement recevoir peut-être certains commentaires. Si les commentaires sont désagréables, ben, je vais les supprimer ou je vais bloquer la personne. Mais, vu que j'ai pas trouvé de pelle à crotte, j'allais pour une pelle à crotte de chat. J'en ai pas trouvé. Il y en avait une sorte en métal. Mais what? What's up de prendre une pelle en métal puis que entre les dents de métal, c'est large de même. Excuse-moi, mais les crottes vont passer au travers. Tu peux pas ramasser avec ça puis non. Il y avait pas la fameuse celui en plastique que j'achetais avant. Fait que j'ai trouvé autre chose. Vous allez rire de moi. Je les donnerai pas à mes enfants, mais j'ai acheté des pelles de jouets pour enfants. Je vais pas utiliser le bleu, mais le rouge et le vert vont très bien faire l'affaire pour ramasser les croches. Je pourrais juste pas les secouer, puis ça va ramasser des gros moutons de litière. Mais bon, c'est la seule chose que j'ai trouvé. Sinon, je m'en allais dans les genres de pelles pour la terre. Le jardinage. Fait que ça va faire l'affaire. J'ai aussi acheté. Les plasters. Parce que je vais tout vous montrer ça à la maison. Là, j'arrive bientôt chez nous. Là. Fait que je me suis acheté aussi. J'avais faim, malheureusement. Et je me suis acheté. Un brownies. Des chevaux là. Ça, c'est tout moi. Puis là, je m'en vais chercher mon chum tantôt vers 11h. Ben, je vais aller porter Benji à 11h là où mon chum était hier. Puis je vais les attendre au matelas confort, là, comme hier. Au lieu de remonter avec les deux, ben. De remonter tout seul puis de gaspiller de l'essence, ben je vais les attendre. J'irai me chercher un café ou je m'apporterai un café de la maison puis j'irai les attendre. Mon temps peut faire marcher Benji un peu. Oui, on arrive bientôt à la maison, tu vas pas te dégourdir les gens, ma chérie d'amour. Coucou la gang, j'espère que vous allez bien. Je suis enfin de retour à la maison. Il est présentement 10h56. Et j'ai réussi à me tirer du lait et de remplir une bouteille d'au moins 150 ml depuis hier à ma fille. Elle a tout bu! Youpi! Je suis contente qu'elle ait bu tout mon lait. Au moins, il n'y a pas de gaspillage à ce moment-là. J'étais en train de faire un peu de montage de vidéo. Et j'ai fini de filmer ma vidéo. Je teste des trucs alimentaires. Là, on va se préparer pour partir. Parce qu'on va aller rejoindre mon chum à la place où il fait la grève avec ses compagnons. Parce que j'emmène mon chien.
Fait qu'il va s'asseoir à côté de moi, en avant. Parce que ça ne me tente pas de le mettre en arrière. Puis de l'attacher de toute manière. Il n'y a pas de place en arrière. Je vais m'emmener des trucs à grignoter parce que c'est comme l'heure du dîner. Puis on va revenir quand même tard pour dîner. Puis je vais sûrement avoir faim. Alors moi, j'ai vraiment envie de m'emmener des chips. Elles sont tellement bonnes. Les chips au barbecue de Saint-Hubert sont délicieuses. À moins que je le fasse. Ouais. Faire à la table. J'utilise ça, c'est les coques que j'ai ramenées de chez ma mère. On va s'emmener nos propres choses, ça va coûter bien moins cher. Je vais sûrement être obligée d'utiliser deux coques parce que là, je vois les gens, j'ai écouté des vidéos de Mylène puis de d'autres personnes. Je vois qu'ils parlent, ils essayent de parler un peu plus dans leurs vidéos. C'est ce que je vais essayer de faire. Oui, je vais vous mettre des avancées rapides quand je fais du ménage et tout, mais je vais pas tout le temps vous montrer. La même affaire, fait j'essaie de pouvoir vous parler puis de vous montrer des. C'est ma fille qui crie. J'aime bien avoir ça pour se promener, la tâche après lui. C'est un harnais avec la corde puis tout. Fait qu'on va... Ma fille, elle aime beaucoup ça. Les petits soufflets au bleuet. Comme ça. Truc. Je vais monter le restant de mes achats. J'ai acheté. Des tampons démaquillants parce que je vais nettoyer ma blessure. C'est pas une blessure, c'est une piqûre de bébé de. Une piqûre de marsouin qui s'est comme infectée, fait que je nettoie ça. Avec du peroxyde, puis je rajoute du polysporin sur le dessus. Puis je mets souvent un petit plaster comme ça, assez grand, la nuit, parce que je l'accroche souvent, puis ça me fait mal. Fait j'en ai acheté deux paquets, c'était genre 1,25 ou 1,50 chaque, c'était vraiment pas cher. Ensuite, j'ai acheté. Un paquet de lingettes, parce que j'en avais besoin là-bas, mais finalement, je n'en ai pas eu besoin. Et ça, je vais le laisser proche si on en a besoin. J'ai acheté des mini-eggs. Quand j'ai la danse crème. Ensuite, pour terminer, j'ai acheté. Malheureusement, j'ai acheté un sac parce que j'avais pas mes sacs. J'en prenais pas de traîner, j'avais pas le droit de traîner mon panier dehors. Puis j'avais la coquille avec moi, puis j'ai pas pu. Sinon, j'ai acheté des cups comme ça de à la vanille française parce que je suis en train de terminer ma crème à café. Il y en a 24 dedans. Fait que ça va être bien pratique. Je la mets ça au frigo. Là, je vais sortir la porte puis que les gens puissent ramasser les bagues de recyclage ou la poubelle parce que là, mettons que ça commence à se remplir. Fait que ça marche en petit cup. Comme ça, c'est miniature, là, je sais. Mais bon. Ce soir, je vais sûrement faire un sale kick. Puis rajouter. Parfait! Fait qu'on s'en parle. Bon, je suis dans la voiture. Puis on part! J'avais oublié mon café, fait que je suis retournée ici. Un matin, j'ai été capable de me tirer un 20 ml. C'est pas beaucoup, mais gars, c'est mieux que rien. J'ai repris de la dompéridone à midi pour ce soir. Là, mon amour. Alors, bonjour la gang, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour. Et sans mon chien et sans mon conjoint, parce que je les ai laissés à une rue, deux, trois rues de la maison. Je voulais aller marcher avec mon chien, avec notre chien, sans problème. Je suis allée rejoindre mon chum parce qu'il faisait du piquetage et grève. J'ai juste pas choisi le bon chemin. J'ai pris l'avenue du Lac-Saint-Charles tout le long. J'ai descendu l'avenue Lapierre, puis tout. Puis là, puis je les ai déposés, puis tout. Moi, puis Laura, avec mes chips, puis mes amandes, puis mon Gatorade. Et mon café, on s'en va au pique-nique, méchant pique-nique samedi. C'est juste qu'il pleut pas finalement, il a mouillé assez tantôt. Et on va aller voir si le pique-nique a toujours eu lieu. Puis ils font déguster des choses. Fait qu'au pire, on ira manger des petits trucs. Puis si c'est les mêmes trucs qu'hier, ben ça sera les mêmes trucs qu'hier. On va aller faire un tour, on va aller voir du monde, on va aller voir Maud si elle est encore là avec. Étant Elia, puis mais. Laura dort encore. Laura ne dort pas. Elle a dormi un matin.
Fait qu'on va aller faire un petit tour, voir s'il y a encore du monde au four à pain. Hop, il y a encore plein de monde. Puis je pense que mon ami est là. Dehors, il est 3h. Puis je suis en train de faire un peu de rangement dans la maison. Fait que je m'apprête à mettre mes sacs et tout ça dans la voiture. Pour quand je vais aller au Costco, ben, je vais déjà avoir mes sacs la semaine prochaine. Fait que genre, j'ai mis des sacs d'épicerie là, puis les sacs du Costco, puis je pense que j'en ai un autre quelque part. Quand je vous dirais que j'avais une forêt, hein, je vous mentais pas. Hein. Regarde, on a même déjà de la misère à passer dans notre parking, notre entrée de maison. Fait que... C'est ça, puis ben, c'est bien calme parce que... Ils ont arrêté les travaux parce qu'il est midi et que les travaux sont là. Ils sont vraiment pas loin pareil de ma rue. Vraiment proche. Ils ont arrêté à midi, fait que sont partis. Tout le monde est parti, fait que c'est super tranquille dans notre rue. Fait que là, je vais aller voir la poste. La poste est vraiment à côté de chez nous. Puis je vais aller ramasser mes fruits.